Aujourd'hui, je vous montre comment transférer vos contacts de votre iPhone vers un périphérique Android, téléphone ou tablette. Pour cela, je crée un dossier Contact dans mon ordinateur ou mon Mac. Ensuite, je me rends sur www.iCloud.com, je m'identifie et je clique sur l'onglet Contact. Ici, je me retrouve dans tous mes contacts sauvegardés sur iCloud, je fais CTRL A, puis je clique sur la petite. Je fais exporter vers VCard. On me demande de choisir un dossier. Je choisis le dossier Contact que j'ai créé, puis je clique sur Enregistrer. Le fichier VCard se télécharge et se retrouve directement dans le dossier Contact. Une fois que cela est fait, je vais tout simplement brancher mon périphérique Android, donc mon téléphone ou ma tablette, à mon ordinateur ou mon Mac. Une fois que c'est fait, j'ouvre l'application Android File Transfer. Je prends le dossier contact que je copie à la racine de mon périphérique Android. Donc pour cela, c'est tout simple. On prend notre dossier contact qu'on a créé et on le glisse directement sur notre périphérique. Et on se retrouve avec le dossier contact et le fichier VCF, donc le fichier VCard contenant tous nos... Contact. Après, je me rends tout simplement sur mon téléphone ou ma tablette Android. Je vais dans l'application Contact. Je clique en bas à droite sur les trois petits points donc les, le, pour aller dans les paramétrages de l'application Contact. Je fais Importer, Exporter et je clique sur Importer depuis mémoire. Je sélectionne le compte sous lequel je veux que mes contacts soient enregistrés si j'ai plusieurs comptes, sinon si j'ai qu'un seul compte Gmail, je clique directement dessus. Le téléphone recherche les données des cartes présentes dans la mémoire du téléphone et les transfère directement dans votre téléphone. Vous avez donc maintenant tous vos contacts dans l'application Contacts et également sur votre compte Gmail. Une fois que c'est fait, je me rends donc sur mon ordinateur et je vais supprimer le dossier contact qui se trouve dans l'Android File Transfer car il ne me sert plus à rien. Voilà. Maintenant vous avez tous vos contacts sur votre téléphone Android. À bientôt pour de nouvelles vidéos.